bien, Gégé Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos poissons dans cette deuxième moitié du mois d'avril 2024. Votre connexion avec la personne que vous avez en tête actuellement. Alors, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, mes chers poissons. Donc, prendre qu'est-ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si toutefois, elle ne résonne pas du tout avec vous, cette lecture, je vous invite à regarder peut-être la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors sur ce, on va commencer, mes chers poissons. On va regarder quelle énergie entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement dans cette deuxième moitié du mois d'avril 2024. Donc l'énergie entre vous et votre personne en amour, cette énergie. L'énergie entre le poisson et sa personne dans cette deuxième moitié du mois d'avril 2024. Ok, c'est correct. C'est quatre par exemple. Ok. C'est sorti comme ça. Donc, l'énergie générale de la lecture, cher poisson, c'est le 6 d'épée à l'envers. Donc, vous avez reconnecté avec quelqu'un, très cher poisson. Mais toutefois, et puis vous avez laissé, vous avez baissé vos gardes lors de cette reconnexion pour tenter d'explorer un peu c'est quoi les possibilités, là, à quel point qu'il y a une possibilité de retravailler cette connexion. Donc, dans le moment présent, vous avez pris la chance de reconnecter avec cette personne-là dans le cadre de avec le cadre de bâton. Toutefois, il y a quelque chose là, qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui a comme, qui a comme fracassé votre perception de ce que vous vivez là. Donc, ici, on voit que l'offre d'amour, on dirait qu'elle ne tient plus. Ok, cette offre de bien vouloir faire avancer la connexion. Pourquoi? On va regarder quels sont les sentiments de cette personne-là à votre égard et quelles sont ses intentions. Ok, qu'est-ce qui a éclaté ici? Qu'est-ce qui fait que ça, le retour de cette personne-là, ça colle pas? Alors, très cher poisson, on va regarder ça. Six cartes, quelles sont les intentions sentimentales de cette personne-là envers vous? Oh, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même mûri, tu sais, quand même, très cher poisson. C'est quelqu'un qui a mûri, qui pensait avoir guéri à l'intérieur d'elle-même ce qui avait causé la déconnexion au départ. Donc, elle est revenue quand même vers vous avec des bonnes intentions. Toutefois, elle aussi, tout comme vous, a été un peu prise par cette réalité que bah, peut-être c'est pas ça que je veux dans la vie. Puis elle a commencé à reculer. Elle a reculé parce qu'au niveau sentimental, y a pas de, elle ne reconnectait pas comme elle connectait au départ avec vous. On le voit ici, là, dans cette lignée de cartes, il n'y a aucune coupe. La même chose pour vous, y avait une coupe seulement, puis elle était à l'envers. Donc ici, peut-être le spark du départ, là, l'étincelle que vous aviez au départ, elle n'est plus là. Et le destin, c'est comme si, tu sais, quand tu revois ton ex, ou quelqu'un que tu avais vraiment un gros béguin pour et que tu retournes, tu as comme une deuxième chance qui se présente à toi. Puis là, tu te rends compte que, ben tiens, c'est quoi? On dirait que mes sentiments ont changé. Ben c'est ça, vos sentiments à tous les deux ont changé. Et ben pour lui en tout cas, pour lui ou elle, ça a changé. Puis le destin l'amène à
aller vers d'autres choses. C'est comme si on lui disait, cette étape de ta vie, elle est passée. Donc, l'offre ne tiendra pas parce que vous avez tous les deux besoin d'avancer dans la vie, de grandir, de passer à d'autres choses. OK? Je suis vraiment désolée, j'aurais voulu que ce soit plus positif que ça, mais habituellement dans la vie, quand on passe à d'autres choses, c'est parce qu'il y a mieux qui nous attend. Alors, la question qu'on va poser dans les mois qui suivent pour nos chers poissons, est-ce qu'il va y avoir d'autres opportunités en amour dans le mois qui suit? Tiens, on va y aller plus simple. Dans le mois qui suit, le mois d'avril, est-ce qu'il va y avoir une rencontre pour notre cher poisson? Dans le mois qui suit, trois cartes. Ouais, il va avoir une nouvelle connexion. Vous allez avoir du choix. Vous allez avoir du choix, mes poissons, dans les mois qui suivent. Et vous allez être ouverte à les recevoir parce que vous aurez guéri cet aspect-là, de cette partie-là de votre vie. Alors, c'est une bonne chose. Alors, il faut suivre le courant de la vie. Des fois, ça sert à rien de rallumer des vieilles flammes. Le bois, il est sec, là, il est fini, là, c'est temps de nourrir une nouvelle graine, puis de faire fleurir une nouvelle relation. Alors, mes chers poissons, on va prendre un petit message des oracles pour vous. Je suis contente que vous allez avoir du nouveau choix. Tu sais, au moins, c'est pas terne comme lecture. Il y a d'autres possibilités. Ah, puis on vous rappelle que vous êtes suffisant. You are good enough. Vous êtes quelqu'un d'entier, complet, attirant, avec tout plein de belles qualités. Alors, c'est sûr que vous allez avoir d'autres potentiels qui vont se présenter à vous, chers poissons. Faut pas s'inquiéter. Donc, sur ce, mes chers poissons, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des messages mensuels. Sur ce, je vous dis merci. Merci de me donner une chance et à la prochaine.